Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Deuxième manche du coup de cette carrière sur F1-23, nous sommes en Arabie Saoudite. Deuxième manche pourtant modée, mais c'est quand même ce Grand Prix, du coup nous allons voir la R&D, voir ce que ça donne. Directement prendre les améliorations, demander, recommander. On va fournir une boîte de vitesse fiabilité qui arrivera dans deux Grands Prix, une autre fiabilité, trois fiabilités, d'accord. Faisceau électrique pour le châssis, volet secondaire de l'aileron, ça part de là, ok. 5 améliorations de fait pour ce Grand Prix, et puis nous allons voir la météo, qui sait, il va pleuvoir à Jeddah. Bon, bien évidemment, la météo sur Jeddah, bon, fallait s'y attendre. Voici à quoi ressemblent les résultats. Si vous n'avez pas vu la première manche, elle est disponible sur YouTube, Sainz vainqueur, et puis nous sommes partis directement en qualification. Ah, c'est loin, dommage. Aïe. Il y a les deux Ferrari qui manquent à l'appel. Sont pas encore passés. Ah dommage, je suis virage. Ça va pas suffire, je pense pas. Il va manquer un peu. Je suis deuxième, je crois. Ma prédiction était bonne. J'avais dit 0.6, on a fait 0.5. Mais 11 millièmes. Allez, malheureusement, P2 pour 11 millièmes à cause de l'erreur, hein, sûrement du secteur 1. Sur le taux qualif, c'est pas trop grave en vrai, parce que bah, de toute façon, on est P2, donc ça reste OK. On va regarder en quoi part Alexander. Ça part en médium, c'est en soft derrière pour Verstappen. On va partir en médium nous aussi. C'est ce que je voulais. Très bien, on va partir du coup sur un médium soft. Le meilleur tour d'arrêt. Et le... Ouais, je vais quand même m'arrêter un poil plus tôt. Je vais m'arrêter au 14e tour. Ce sera très bien. Pas trop tôt non plus, parce que les softs peuvent se dégrader très fort. Pas de pluie, bien évidemment. Et on a un beau petit duel. Regardez quand même. Ferrari, Red Bull, Mercedes. Ferrari, Red Bull, Mercedes. Sur ces 6 premières places. Donc c'est parti pour la course. Hop, 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 hop. Oh, il a bien défendu, j'avoue. Ok. J'ai rien pu faire. Faut pas que Verstappen s'envole, vu qu'il est en rouge. Je pense pas qu'il puisse s'envoler, honnêtement. Bon départ quand même, hein, mine de rien. Je pouvais pas faire grand chose de plus, donc bon. Non, Sainz, pas de suite. Oh. Allez, prends-toi ce frein dans les dents. Je devrais utiliser un peu plus de batterie que ce que j'aimerais, c'est dommage. Ça va s'attaquer devant, c'est parfait. Ah ouais, la bataille est parfaite. Let's go. Par contre, Verstappen va passer. C'est pas parfait, mais... Prochain tour DRS, ça devrait aller.
Wow, ça a failli ne plus aller, mais on va bien pour l'instant. Albon va sûrement réattaquer. Ouais, même pas. Étonnant. Ah. Verstappen n'arrive pas à s'envoler avec ses rouges, c'était prévu. Les rouges sont bons, mais pas assez pour être décroché d'un circuit comme ça. Nous, on a trop d'aspiration pour qu'ils accrochent. Et là, maintenant, on va avoir trop de DRS pour qu'ils restent premiers. Hein, je sais pas s'il l'a. Ouais, il l'a, je vais le laisser passer. Pour rattraper devant. Plus que se battre pour l'instant, en plus ils sont en train de se battre devant, c'est parfait, on va avoir le DRS normalement. Eh non, Verstappen est premier encore. Oh, ils vont trop vite derrière. Je suis obligé d'utiliser un peu trop de batterie par rapport à ce que je veux, mais bon. Je suis toujours dans le train, donc ça va. Attendez, pas trop de temps, s'il vous plaît. Allez, Carlos. On ne perd pas le train avec Alexander, là. Ah ouais, bon, c'est mort. Ah, il se met bien, Albon, là. Faut que je dépasse Verstappen. Ah mais Verstappen va dépasser Sainz là. Oh et derrière c'est la guerre aussi, c'est un enfer. Ouh, je suis allé loin. Ouais, je vais passer quand même, let's go. Ah ça va, Sainz a DRS. Ok, on n'a pas perdu Albon. La bataille à 6 là pour la victoire, c'est marrant. Hein. Oh non. Oh Albon. Après la pole qu'il a fait. Ah bah là c'est rip. Hein. Il est arrêté. Ah, je vais attendre le DRS quand même. Je vais y aller maintenant, hein. J'ai pas le choix. Ah, ça va m'utiliser de la batterie pour rien. Après, ça peut faire un duel Red Bull grâce à ça aussi. Faut voir le côté positif. J'ai le DRS, je crois. Ouais, j'ai le DRS, ok, cool. Allez, maintenant, faut récupérer la batterie. J'ai plus de batterie là, c'est horrible. Verstappen, on peut peut-être le décrocher avec cette rouge. C'est pas impossible. Je te défends pas, Sainz. Tout va bien se passer. Ah, Verstappen, c'est pas possible de l'enlever, hein, malgré ce pneu soft. Et il reste Alonso aussi hein, dans le DRS et même Leclerc en fait. Hein. Il y a tout le monde dans le DRS là, sauf Albon. Oh. Ah, Leclerc à l'abandon. Leclerc à l'abandon, ben moins 2 hein, du coup par rapport aux 6 qui se battaient pour la victoire. On est plus que 4. Et allez. Waouh. Et oups. Tout mon travail ruiné en une erreur. Je vais devoir utiliser de la batterie là. La détection est juste après le virage. Ouais, je l'ai. J'ai perdu 30% de batterie à cause de ça. Tant pis. Et Alonso a plus de DRS grâce au dépassement qu'il a fait sur Verstappen. Ah ben on va être peut-être plus que 2 maintenant. Ouais, 2 secondes avec Alonso, let's go. Comme quoi mon erreur en fait m'a servi.
Vu que ça a gêné Verstappen et Alonso l'a attaqué. Okay, we're approaching the pit window. You're gonna be on soft. Je sais pas pourquoi il s'est défendu le ref, mais bon, on l'embrasse. Bon, ça a été une grosse course d'attente pour l'instant, pas passionnante, mais bon, on est là. Moteur à 60%, ma batterie va bien, c'est parfait. Normalement Sainz boxe à ce tour, moi je boxe au prochain. Allez, Sainz au box. On va utiliser la batterie, on va essayer d'aller pas mal vite. Carlos is in for his stop now. Ah, ils mettent l'air en plus. Bon, j'ai perdu 5 bons dixièmes là. Waouh. Je sais même pas si je boxe à sourd. Non, je boxe au prochain en plus. Bon, c'est pas mal s'ils sont hard. Moi, ça m'avantage. Push now, we're boxing this lap. Allez, boxe à sourd. On va être un peu plus loin que les collègues qui ont boxe en hard, mais on devrait quand même, entre guillemets, assez vite les rattraper. Allez, boxe. N'oublie pas 60 km à l'heure. C'était pas l'arrêt du siècle, mais on est là. Si je peux ressortir devant Alonso, ce serait cool. Oui, mais attends, je vais être pas si mal que ça, je vais être clairement devant Alonso normalement. Up to speed now, let's get some heat into those tires. Ouais, clairement, bon. Je pensais être plus proche quand même. Mais on est devant, c'est l'essentiel. Allez, let's go. On part à la chasse. Vas-y Alonso, dépasse-moi, comme ça je redépasse. Sur la ligne droite, je me catapulte. Vas-y, passe à l'inté. Parfait. Come on, you can win that place back. Allez, on va essayer de se catapulter. J'ai pas une vitesse de pointe de ouf, mais on est là. Eh ben... Il est genre tenace avec ses hardes. 1 seconde 8. Pneu chaud. Est-ce qu'on peut tout gagner sur le secteur 1? Ça m'étonnerait honnêtement. Bah 3 dixièmes quand même, c'est bien. Mais pas suffisant. 1 seconde 4. Ouais, tant qu'à faire, autant prendre le meilleur temps en tour aussi. Let's push, 1 seconde 2, 1 seconde 1. Ah, un peu tard, dommage. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si j'ai le DRS. Ah, dommage le DRS. Il doit pas jouer à beaucoup. Ouh, c'était pas long. Bon, du coup, j'ai aucun DRS. Ah, j'ai même pas le meilleur temps en tour. Pas moi, promis. Bon, ce qui est bien dans tout ça, c'est que pour l'instant, on n'a pas l'enjeu dans les pattes. On est plus que 3. Ce qui est pas bien, c'est que les softs ont pas l'air d'avoir un rythme de foufou. De toute façon, c'est ce qu'on avait vu avec Verstappen, hein, quand il les avait. Donc, je suis pas étonné de ouf. Par contre, j'ai vu qu'il tenait pas mal. Pareil avec Verstappen, il roulait bien. Faut juste économiser de la batterie et pour l'instant attendre. Waouh, Verstappen, il sait pas où elle est. Il est en panique, il sait plus quoi, comment faire quand on est deuxième. Oh! Ok, j'ai compris. Hello! A plus! Oh! A plus fois 2. Oh, le karma instantané. Allez, Alonso dans le DRS. Ah bah au final, Alonso a pas tenu. What the fuck?
Il est super lent pour l'instant. Allez, j'économise ma batterie, on est bien. Par contre, Verstappen, je sais pas s'il va réussir à suivre. Aïe. Et à garder le DRS. Faudra peut-être que je le dépasse, Verstappen. Bon, pour l'instant, il a toujours le DRS, ça me va. Mais la ligne droite où il a plus le DRS, j'y vais. Parce que ses médiums vont commencer à morfler un peu, vu qu'il a fait, soft médium. En vrai, faut être à l'écoute d'opportunités là maintenant. Si jamais il s'attaque trop ou quoi. Ouais, absolument, c'est ça, déjà. Si jamais il s'attaque trop les deux, il y a moyen de manger les deux, ça peut être pas mal. Là, on va bien évidemment pas y aller. Oh, vu que j'ai freiné en pleine ligne droite, j'avais plus mon point de freinage, j'ai fait de la merde. Ouais, Verstappen. Sainz s'est écarté super tard. Bon, y'a rien à faire. Ah, Verstappen qui se défend pour rien, oh là là. Ok, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. 40% sur les pneus. Ça va, le grip est encore ok. Hein. Il va pas rester beaucoup d'opportunités là. Allez, Max. Whoop. Oh, s'il faut le batterie, ouais. Oh, c'est dur, dommage. Grip. Oui, dommage, j'ai pas réussi à freiner assez fort. Ok, 24 sur 25, on est P2, c'est bien. Avant-dernier tour. Il en a encore hein, dans ce médium, le collègue. Ah, Sainz va vouloir repasser. Wow. Wouah! Wouah! Ok, just 2 laps of fuel remaining now. Ok, final lap, let's go! Final lap! Oh, je veux le DRS moi pour la fin! Dernier tour! Ok. Oh, c'est la guerre! Non, 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 non. Ok, c'est pas fini. J'ai full batterie. C'est pas fini, c'est pas fini. Sainz va gagner, je pense. Ah, ça va être un doublé, mais bon. Ah, est-ce que j'aurais dû y aller sur la grande ligne droite? J'ai eu un peu peur. Je voulais pas contact avec Sainz. Ok. Yes, mate. I cannot complain about that one. That was an excellent drive. Well done. Eh, comme quoi, la batterie que j'ai économisée pendant quasiment toute la course m'a bien servi sur le dernier tour pour rattraper ma petite erreur. Est-ce que j'aurais pu faire le côte à côte avec Sainz au dernier virage? Bah, je sais pas, mais j'ai préféré jouer safe. Du coup, c'est la deuxième victoire de Sainz devant nous-mêmes et devant Verstappen. On prend le doublé. Je dis pas non, clairement pas. Alonso Albon, quand même, qui finit 5e malgré ses problèmes, à 10 secondes hein, de nous, quand même. Il a dû bien se faire chier. Devant les deux McLaren, Logan Sargeant, et bien P8, avec l'abandon de son coéquipier, malheureusement, qui était bien placé, Ricardo et Gasly.
Ouais, Joe, il aurait pu faire P5 ou P6 avec la McLaren, dommage pour lui. Et du coup, on est à 17 points de Carlos Sainz à égalité avec Max Verstappen et le constructeur. Pour l'instant, on n'en parle pas. Merci beaucoup d'avoir regardé YouTube. À la prochaine.